Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle morning routine, une morning routine où je me lève très très tôt et je me lève en ce moment de plus en plus tôt, donc je voulais partager avec vous en fait cette routine qui me permet en fait de faire plein de choses avant que les enfants ne se lèvent. En premier, pour commencer la journée, je me fais un petit café, des fois c'est du thé, mais j'ai remarqué qu'avec le café quand même, enfin là c'est du ricoré, ça me permet d'être plus en forme, voilà, pour faire ce que j'ai à faire le matin. Alors donc la première tâche ménagère que j'effectue le matin, donc c'est de faire une tournée de linge. Ensuite, je descends donc dans la cuisine et je viens vider le lave-vaisselle. Une fois que le rangement de la vaisselle est terminé, je vais pouvoir passer à la préparation du petit-déj. Et en ce moment, je fais soit des pancakes, soit des gaufres le matin, puisque les enfants adorent ça, c'est eux qui me réclament. Mais comme j'ai pas toujours le temps, je vous avouerai, de faire, j'ai trouvé à Leclerc de la, comment dire, un mix tout prêt pour les gaufres. Et je dois dire qu'en cas de matinée où franchement j'ai pas vraiment le temps, eh bien ça me dépanne beaucoup d'utiliser ce type de produit. Je verse en fait dans un saladier, enfin dans un bol, on va dire, donc la préparation. Je viens rajouter la moitié d'un litre de lait, mais je rajoute le lait progressivement pour pas que ça fasse de grumeaux. Et ensuite, il faudra rajouter donc deux ou trois, enfin, il y a écrit 3 cuillères d'huile, mais moi j'en mets que 2 parce que je trouve que c'est déjà suffisant vu qu'on va ensuite mettre un petit peu de beurre dans le gaufrier pour que ça soit bien doré. Donc je mets pas trop de matière grasse à l'intérieur volontairement. Ensuite, je mets à peu près l'équivalent d'une louche par gaufre. Et je referme, j'attends que ce soit vert. Et une fois que c'est vert, c'est prêt. Avec un paquet comme ça, on peut en faire 10, donc ça nous suffit pour le petit-déj, pour nous 5. Entre temps, donc là, les enfants se réveillent progressivement, voilà, ils se lèvent tranquillou un par un. Donc clairement, Victor, ce qui le réveille, c'est l'odeur des gaufres, et là, il est en train de les compter avec ses mains, il réserve les gaufres qu'il va prendre pour tout à l'heure. À 7h30 à peu près, donc là on va tous s'installer pour prendre le petit déj. Donc pour accompagner les gaufres, en général c'est soit du sucre, soit du miel ou de la confiture, mais Victor, c'est un inconditionnel du sucre, donc il aime bien en mettre un petit peu sur ses gaufres le matin. Ensuite,
pendant que les enfants sont en bas en train de s'habiller avec leur papa, je viens me préparer tranquillou dans la salle de bain. Je fais ça assez rapidement, hein. J'essaye de mettre grand max 20 minutes pour me préparer. Donc je passe aux chambres des enfants. Donc là je vais venir aérer en grand comme je fais donc tous les matins. Voilà, je rentre en grand pendant à peu près 10 minutes et ensuite je viens secouer les couettes par la fenêtre pour enlever un maximum de poussière. Je fais pareil avec l'oreiller et je fais aussi la même chose avec le tapis puisque c'est des ramasses poussière, hein, clairement les tapis. Donc j'aime bien faire ça et ensuite le laisser aérer à la fenêtre. À tout à l'heure, Victor. Quoi? Oh, bisous mon cœur. À tout à l'heure. Bon, ensuite, quand les enfants vont à l'école, enfin sont à l'école, on en profite avec Anthony pour faire ce qu'on a à faire, en fait, les petites choses qu'on doit faire. Et là, ce matin, on doit aller en urgence chercher des chaussures pour Arthur puisqu'elles sont trouées. J'ai vu ça hier et comme il pleut, c'est vraiment pas terrible. Et aussi, il faut que je prenne une nouvelle veste. Puisqu'il a arraché la sienne, voilà, donc pourtant elle n'était pas très vieille, mais et comme je ne sais pas du tout coudre cette matière-là, et ben on va lui en acheter une autre, donc voilà, il faut aussi qu'on regarde deux, trois autres petites choses, et c'est souvent le matin qu'on fait ça, comme ça on n'est pas avec les enfants, et c'est beaucoup plus pratique. Donc c'est parti, on y va pour chercher les chaussures de Monsieur Arthur. Allez, alors premier arrêt, Décathlon, on va prendre des baskets, puisqu'Arthur c'est ce qui lui va le mieux, enfin je veux dire en termes de confort, donc c'est parti. On est revenu de nos petites courses, je m'installe pour faire le pliage du linge. Je trouve ça plus pratique pour moi maintenant de le faire le matin, ça m'évite de le faire le soir puisque je suis clairement en ce moment beaucoup plus du matin, donc j'en profite pour faire un maximum de tâches ménagères le matin et je dois dire que le soir comme ça je peux me coucher tranquille sans avoir une tonne de linge qui m'attend ou quoi que ce soit. Enfin, une fois que le linge est plié, je me mets sur mes vidéos YouTube pour m'avancer au maximum. En ce moment, j'essaye d'avoir un rythme plus régulier pour, voilà, pour prendre un petit peu d'avance sur mes vidéos. Et voilà, donc je me pose, je regarde les mails aussi. Je reçois pas mal de partenariats en ce moment, beaucoup de demandes. Donc j'essaye de regarder un petit peu tout ça et d'y répondre. Et voilà, et après je me mets au montage de mes vidéos. Et le temps passe super vite puisque là, il était quasiment 11h quelque chose. Donc je me dépêche de faire ce que j'ai à faire avant que les enfants ne rentrent de l'école. J'espère que cette vidéo routine du matin vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.